Il se trouve que nous avons tous oublié aussi dans ce pays, mais qu'il y a eu, il y a peu, un scandale qui s'appelait celui des Monsanto Papers. Monsanto Papers, c'est le fait que Monsanto ait payé des scientifiques pour dire qu'il n'y avait pas de problème avec le glyphosate. Donc en fait, ce que je reproche à l'agence ici, c'est de ne pas avoir tenu compte de l'avis du CIRC, du Centre International de Recherche sur le Cancer, qui dit que le glyphosate est probablement cancérogène. Ensuite, de ne pas avoir tenu compte des études de l'INSERM, de l'INRA, qui montrent eux aussi qu'il y a un problème avec le glyphosate. Vous comptez faire quelque chose concrètement? En fait, il y a, oui, nous allons continuer à nous battre sur ce sujet qui est une question très importante parce qu'il y a une chose qui doit prévaloir, c'est le principe de précaution. Lorsqu'il y a un doute sur quelque chose, alors il ne faut ni empoisonner les êtres humains, ni empoisonner la nature. Et je vous invite à lire les travaux de la sociologue de la santé Annie Thébaumoni qui disait « Il faut arrêter de donner des permis de tuer aux entreprises dans ce pays et il faut donc stopper Monsanto qui nous empoisonne toutes et tous ».